passe? Bah, qu'est-ce qui se passe là? Ça se voit pas ce qui se passe là? Elle est en train d'accoucher, putain! Il s'appelle Lucas. J'ai appelé comme ça pour qu'il se rappelle de son père. Un jour que je rentrais, il y avait des flics partout. Moi, je suis devenue folle, j'ai pris mon couteau, j'ai sauté sur le flic. J'ai pris 3 ans. Salut. Nos enfants, ils ressentent tout comme nous. Pour pas qu'ils ressentent la prison, faut aller bien. Lucas, ça va, mon grand? Il faut faire vite là parce qu'il bouge plus. Vous vous calmez. Je sais pas quoi faire, Laurence! Je peux rien faire. Mais lui, il est innocent. Fallait y penser avant. Quoi? Il fallait y penser avant? Vous avez donc agressé la surveillante ici présente la nuit dernière. Vous êtes dangereuse. J'ai jamais fait de mal à mon fils, moi. À partir de maintenant, la moindre petite infraction, je convoquerai le juge des enfants. Sinon, ta petite, là, elle sort bientôt? Je prépare la procédure pour la faire adopter. Quoi? Calmez-vous. Ah non, mais je veux pas qu'il aille dans un foyer à l'aide sociale, quoi. Ça, il n'en est pas question. Faut vous prendre en main, c'est tout. Ils veulent pas qu'on se prenne en main, ici. Vous connaissez personne d'autre qui pourrait garder votre fils? Non. Il va falloir me prouver pendant cette année que vous pouvez vous réinsérer. On dit qu'il fallait que je travaille pour faire bien pour Lucas. Toi aussi, tu te laisses pas battre. Mais c'est quoi ces gueules de constipé? Allez, merde, un petit sourire! Mais il y a un vrai truc magique avec Lucas. Il me donne de l'espoir, il me donne de la force. Puis il donne du sens là, à tout ce putain de bordel. Il me change en bien.